17 tirs des Bruins à domicile. Allons voir. L'attaque des Bruins se remet rapidement en marche en fin de période. Brad Marchand récupère la rondelle à la mise en jeu. Malheur à sa guise. Patrice Bergeron. Le but, Boston prend les commandes. Oui, on a un petit buzz de même. Il commence par répliquer. Longue passe d'Alexander Edler pour Jeff Pemolini. Ryan Kessler prend la relève. Mais ce but, à son tour, à Thomas. Ça va en deuxième. Et Marchand continue d'animer l'attaque des Bruins. L'effectif est bien percé. Son tir! Tape le poteau. Ce ne sont pas les chances de marquer qui manquent dans ce match. Charles tente une passe, c'est du but pour le filet. Bruins qui tire, c'est bloqué par Charles. Quelle façon de reprendre ce début. Les Bruins, eux, sont beaucoup plus opportunistes. Marchand, encore lui, saute sur le retour de Seidenberg, contourne le filet et bat le poteau. Tu vois pas que c'est inanimé comme objet, le chat, genre. 2-0, Bruins. Non, le chat, t'as perdu. Ryan Kessler tente de réduire l'écart, il se faufile dans la flamme. Ce qui est accueilli par Chara, la porte s'ouvre pour les Canucks, mais pas pour longtemps. Bergeron s'avance, et il y aura pénalité, ou est-ce qu'il y aura tir de pénalité? Et on va donner le but à Bergeron, incroyable! Les Bruins, donc, ne sont plus qu'à 20 minutes de remporter la Coupe Stanley, à moins d'un retour des Canucks. Mais Jannik Hansen ne fait rien pour aider son équipe. Il est accroché par Chara, l'arbitre à travers les yeux. Furieux, cherche vengeance. Et frère Ferrance, il sera puni. De précieuses minutes s'écoulent donc au cadran, mais les Canucks n'abandonnent pas. Le problème, cependant, c'est Tim Thomas qui se dresse devant eux. La frustration s'empare de plus en plus des hommes d'Alain Vigneault. Hansen garde d'abord Adam McQuaid avant que Burroughs donne un solide coup d'épaule à la tête de Rich Peverly. Les Canucks retirent le bon goût et vont tenter de tout pour le coup.